Angélique Douard, au bout de combien de temps un homme peut-il manquer d'air la tête entre deux gros seins? Angélique, je sais pas qu'est-ce que tu fais la semaine pro, mais moi je suis dispo. Raphaël Gonzalez, comment on fait l'amour? Angélique et moi, on prend un verre la semaine prochaine. Si tu veux te joindre à nous pour observer et apprendre, you're welcome. Question d'Adrien. Un orgasme avec un chien est-il semblable à celui qu'une femme peut nous procurer? Marine, quelle est la différence entre un homme et une femme? Écoute, je prends déjà un verre avec Angélique et Raphaël la semaine prochaine. Viens avec nous, tu verras par toi-même. Broad TV. À partir de quel diamètre risque-t-on le déchirement anal? T'es sûr? Ah ouais, j'ai envie. Vas-y, je vais t'en faire ça. Lâchez ces soutiens-gorge tout de suite. Faites quoi, les filles? On va se mettre du vernis. On peut venir? Non! Si vous appelez dans les 30 minutes, vous recevrez en supplément un flacon de sueur de moustache qui vous permettra de dégoûter toutes les filles en boîte et sur la plage. T'enchaînes deux actions opposées. Non mais pour illustrer, c'est comme si tu draguais une fille en boîte, que tu l'emballais et tout, qu'en sortant de la soirée, tu la ramènes chez toi, tu mets de la musique, tu sors une bonne bouteille, tu l'emmènes dans ta chambre, et tu lui mets voilà le gros high kick dans la tête. Alors, Tu gâches tous tes efforts précédents. Alors moi, j'ai choisi de faire grandir mon enfant dans un havre de paix, un endroit qui lui est apaisant, qui lui est doux, qui lui est chaleureux, on peut le dire. Cet appartement, c'est un peu la représentation de l'amour que j'ai pour cet enfant, qui vient du vagin de ma femme, d'ailleurs. Et tu continues à marcher pendant que tu regardes une affiche dans le métro? Flo, tu peux resserrer mes bretelles de soutif, s'il te plaît? Perso, que... Bon, nous reviendrons pour parler des annexes simulation et fantasmes la prochaine fois. Attends, j'ai un doute. Mais qu'est-ce que vous foutez là tous les deux? Ne vous inquiétez pas, nous vérifions juste la bonne application des clauses du contrat lors du premier coït. Dehors, maintenant! Le bisou le plus long du monde. C'est vrai qu'il y a des moments où on n'est pas vraiment forcé de se cacher. Mais c'est presque les conventions sociales qui nous y obligent. Hey, tu m'en donnes un ?